tous. Aujourd'hui, j'ai réalisé une quiche au merguez façon pizza. Je vais passer tout de suite à la réalisation. J'aurai besoin de 3 tomates, 3 merguez, du gruyère, une gousse d'ail, un oignon et une pâte feuilletée. L'oignon coupé en morceaux et l'ail dans une poêle chauffée. On laisse un peu revenir l'oignon et l'ail, après on mettra la tomate. Et un peu doré, je rajoute la tomate mixée. Ma tomate et mon oignon et l'ail cuit, je rajoute un peu de sel, ça saisonne. Et je laisse un petit peu cuire encore. La tomate a réduit, je vais pouvoir éteindre le feu. La sauce refroidit sur le four. Je coupe mes merguez en petits morceaux. J'étale ma pâte feuilletée dans un moule à tarte. De préférence. Je fais des trous pour éviter que ça gonfle pendant la cuisson. Oui. Je mets ma farce. J'ai étalé ma sauce tomate, maintenant je mets mes merguez. Et du gruyère. À 180 degrés, à peu près 10 minutes à surveiller. 20 minutes de cuisson à 190 degrés, voici le résultat de ma quiche au merguez. Je vais pouvoir le démouler maintenant. Voilà, elle a l'air très bonne, comme vous pouvez le constater, très rapide et très facile à faire. Je vais couper un petit morceau pour vous faire voir. Voilà, encore chaude. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.